Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour et bienvenue dans Star Wars en direct, cette émission spéciale de Star Wars, de Génération Star Wars et Science-Fiction en ligne chez vous, voilà. Donc je suis Sébastien Galano, je suis en compagnie aujourd'hui de Sylvain, salut Sylvain. Salut Seb, salut l'équipe, salut le public. Du Père Noël Raphaël, salut. Bonjour. Et de notre petite nouvelle, Aude, bienvenue Aude. Hello, merci. Voilà, donc Aude qui vient de rejoindre l'équipe et pour qui c'est la première émission. Donc à toi la parole, voilà, on te la bisou, la bisou, la bisou. Merci les garçons, bah écoutez, bonjour à tous, bonjour au public. Je suis ravie de participer à ce premier podcast, notamment dans le cadre de la convention virtuelle de QC. Moi je suis Aude, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne et je suis fan de Star Wars depuis 2005, au moment de la sortie au cinéma de La Revanche des Sith. À l'époque, c'est mon petit copain qui m'a fait connaître, je connaissais pas du tout les Star Wars, j'ai pas de grands frères qui ont regardé quand j'étais petite. Par contre, j'aime tous les univers de science-fiction, heroic fantasy, et je connais votre émission, par contre, depuis assez peu de temps, depuis moins d'un an, parce que sur un Discord Star Wars à dimension très humaine, j'ai un ami qui s'appelle Marvin et qui m'a recommandé l'écoute de vos podcasts. Et donc, je le remercie, parce que c'est comme ça que je suis là, grâce à lui. Merci là, Marvin. Merci. On a 678 épisodes à rattraper, donc voilà, si tu as un peu de temps... tu peux, parce que justement, on est Star Wars en direct, on ne cesse de le rappeler, mais c'est le plus ancien podcast toujours en activité concernant Star Wars. Donc là, on a commencé en janvier 2001, et puis aujourd'hui, en 2021, voilà, 678 épisodes, donc n'hésitez pas à rattraper le temps perdu. Mais je parle, et le temps est compté, et on va tout de suite du coup aborder notre sujet principal. On va partir dans un univers un peu parallèle, dans un univers où Disney n'aurait jamais racheté Lucasfilm. Et on va débattre un peu tous les quatre, savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on aurait eu si Disney n'avait jamais fait ce rachat. Donc, on va faire un petit récap du contexte de 2011-2012, hein, avant ce fameux rachat. Donc en fait, le dernier gros événement, c'était avant le rachat, c'était Célébration Orlando 2012, où j'avais eu la chance d'être. Et la dernière grosse, on avait toujours The Clone Wars qui était en cours de production, et on nous annonçait la série animée parodique Star Wars Detours, qui devait sortir en 2012, hein, normalement, qu'on attend toujours par ailleurs. Mais voilà, toujours des romans qui devaient sortir, les séries de comics qui se poursuivaient, les produits dérivés qui continuent à sortir, mais concernant le cinéma, rien du tout. Et concernant la série live dont George Lucas parlait depuis des années, c'était un vrai serpent de mer, on n'en entendait plus parler. Et voilà, et on était aussi un peu sur le déclin des communautés Star Wars, c'est-à-dire... que y a beaucoup de gros sites internet français qui ont fermé, voilà, et on sentait que au niveau du grand public l'intérêt était moindre, voilà. Donc ça c'est pour situer un peu le contexte avant le rachat de Disney. Donc on va parler de trois grosses parties. On va parler des films, des séries télé et de l'univers étendu si Disney n'avait jamais racheté Star Wars, hein, si Bob Iger n'avait jamais fait ce chèque de 4 milliards à Tonton George. Concernant les films, George Lucas avait prévu une autre trilogie, hein, il l'avait dit à moi avant de vendre à Disney, j'avais déjà commencé à écrire les épisodes 7, 8, 9, j'avais fait déjà un arc général. Et j'avais déjà demandé à Mark Hamill et Carrie Fisher s'ils étaient d'accord pour reprendre leur rôle. Ils l'avaient demandé ça au moment de célébration, parce que George Lucas était venu à cette célébration à Orlando. Donc voilà. Et Kathleen Kennedy aussi était aux commandes de Lucasfilm à cette époque. C'était plus George Lucas. Voilà. Concernant ces films,
Est-ce que vous pensez que c'est George Lucas qui aurait réalisé ou produit cette nouvelle trilogie ? Je te laisse la parole, Sylvain. Alors, produit, oui, j'en suis convaincu. Peut-être avec l'aide d'une autre boîte. Réalisé, je suis pas sûr. Parce que il commence à avoir l'âge de ses artères, hein, papy, tonton Georges. Donc réaliser en plus peut-être un film, mais toute une trilogie, surtout vu qu'il a mis 10 ans pour faire la prélogie, je ne le revoyais pas pendant 10 ans encore s'attaquer à une trilogie entière. Puisque le connaissant, ça aurait été alors, la réalisation, les effets spéciaux, les scénarios, le montage et tout le tralala. Donc franchement, allez, peut-être un épisode de réalisé, mais sûrement pas la trilogie entière, parce qu'il aurait eu tout le boulot à faire aussi derrière. Donc voilà. Production, oui, j'en suis certain. Réalisation, moins. Ok. Enfin, merci Sylvain. Toi, Aud, c'est quoi ton avis sur le sujet ? Alors, je vous prie de m'excuser, il faut que je tousse, je me retiens depuis tout à l'heure. Alors, pas de problème, vas-y. L'émotion, certainement. Ouais, mettre un masque. Tu sens papy d'ici ou Aud ou quoi ? Alors, pour la petite anecdote, je suis asthmatique et quand je prends mon spray, mon aérosol pour l'asthme et que ma meilleure amie est à côté de moi, à chaque fois, elle m'appelle Dark Vador et elle se fout de ma tronche. Donc, si elle m'écoute, là, elle va bien rigoler. Alors, moi, pour m'être un petit peu plus renseignée sur la situation en 2012, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, c'est vrai que Georges Lucas, il était quand même déjà assez âgé à ce moment-là. Et quand on fait son métier, quand on fait ce type de métier, je pense que l'industrie du cinéma ou du show business en général, c'est quand même quelque chose de très, très chronophage, qui prend aussi beaucoup, beaucoup d'énergie et de nerfs pour tous ces gens-là. De stress en fait. Donc je pense que c'est des gens qui ont une hygiène de vie de toute façon qui induit un stress. Il y a un moment, il faut prendre sa retraite, comme dans tous les métiers, mais particulièrement pour eux, surtout quand on voit l'accueil qu'avait eu la prélogie. Je pense, je me mets à la place de Lucas à ce moment-là, même s'il a l'envie, il a peut-être plus en effet la niaque ou l'énergie de tout chapeauter de A à Z. Donc comme vous disiez, peut-être mettre en route, il aurait peut-être pu la mettre en route, mais dès le départ, confier les rênes à quelqu'un d'autre, une ou deux personnes, déjà pour la production, comme vous disiez, ça aurait peut-être pu aller sur une autre boîte de production, et mettre un de ses poulains les pieds à l'étrier, en fait, on va dire. Mais lui-même s'investir autant, je pense qu'il n'aurait pas la force et la santé. Même si c'est des gens qui ont une passion et qui, du coup, ont l'habitude d'aller jusqu'au bout, presque de mourir sur scène. Moi, j'ai lu qu'à un moment, il disait c'est du temps maintenant dont j'ai besoin, c'est pas d'argent. Ah bah oui, tu m'étonnes, je pense que l'argent, c'est bon, c'était engrangé. Et le temps, il préférait certainement le passer à profiter, à faire autre chose. Après, quand il est témoin de la suite, bah forcément, il va voir des choses qui lui plaisent pas, mais on peut pas tout avoir. À un moment, il faut passer la main. Je pense que c'est le côté raisonnable là, qui me fait dire ça. Ben merci Aud pour ton avis. Et je vais passer à notre doyen Raphaël. Le doyen. Bon. Allez, papy. Virginie. Allez. Attends, je prends mes cachets. Toi aussi, tu tousses. Je suis allergique aux jolies filles, Aud. C'est pour ça. Bon, pour revenir à Star Wars et George Lucas, je pense qu'il n'aurait pas réalisé. Ça revient à presque les deux autres qu'on a déjà dit. Hein. Je pense qu'on serait plus dans la production. Je pense qu'il mettrait toujours son grain de sel, c'est-à-dire qu'il a toujours quand même envie de gérer, de contrôler, pas que ça perde non plus, qu'il y ait une petite ligne de conduite depuis les différents épisodes, même si c'est pas apparent, mais au moins quelque chose. Et puis je pense qu'il est tellement, c'est toute sa passion, sa vie, faut pas oublier, c'est vraiment ce qui a fait sa vie, quoi, sa passion. Donc d'après moi, il serait quand même toujours derrière, peut-être pour contrôler, pour le montage, pour les effets spéciaux de ces choses-là, mais je pense pas qu'il aurait à se mettre à réaliser. Et comme vous le disiez, hein, Aud avait bien dit, et Sylvain aussi l'a bien dit, c'est quand même, il faut de l'énergie. Je pense qu'un ou l'autre, quoi qu'on dise, même si on est hyper motivé, c'est le terme chronophage a été dit, je le redis, aurait sans doute amené à rendre les choses difficiles pour Georges Lucas. Et puis après, je pense comme tout, au moins en août, il faut s'arrêter. Voilà, je pense qu'il a envie de s'arrêter. Mais j'aurais pensé, franchement, qu'il aurait pris un poulain qu'on ne connaissait pas dans la réalisation ou dans l'écriture. Là, on a pris des gens qui étaient déjà connus,
qui avaient déjà fait leur preuve ou pas leur preuve, mais il n'y a pas eu de surprise, comme il y avait eu à l'époque, en 77 et en 82, toutes ces choses-là. Voilà, on était surpris par le choix qu'ils avaient fait. Je leur ai pensé plus audacieux. Mais après, peut-être que c'était aussi les directives de Disney qui faisaient qu'ils ont préféré sécuriser un peu le truc pour pouvoir lancer et puis on pas regretter. Bon, quoi qu'on dise, ça fonctionne encore Star Wars. Voilà, quoi. Mais je pense qu'ils ne l'auraient pas réalisé, ils l'auraient peut-être produit pour encore avoir la mainmise dessus. Mais sinon, non, je pense qu'il aurait à un moment, il faut s'arrêter. C'est, voilà, c'est tout. Puis je pense qu'il faut s'en redonner aussi, donner la suite. Quoi. Ouais. Passe le flambeau. Moi, concernant, quand je remets les choses dans le contexte, je me dis, il ne faut pas oublier que Lucasfilm lui appartient, mais il a mis Kathleen Kennedy aux manettes. Et George, il a toujours dit que ce qu'il détestait faire, c'était écrire. Et la mise en scène des acteurs, c'est pas non plus son gros kiff. Lui, son kiff, c'est d'inventer des univers. D'inventer des univers, de créer des grands arcs scénaristiques et de développer de la technologie. Donc, je pense que il aurait peut-être réalisé juste le premier pour refaire l'événement, mais il n'aurait pas réalisé la suite, comme vous dites, parce que il s'est tellement pris plein de sauts de merde avec la prélogie qu'à mon avis, il était un peu blasé. Et je pense qu'en fait, il se serait gardé pour lui la partie qu'il aime bien, c'est-à-dire il aurait écrit l'arc principal des trois épisodes et après, il aurait confié ça. Il aurait dit à Kathleen Kennedy, tu me trouves un scénariste qui me fait les scénarios à partir de mes synopsis, qui lui aurait juste validé ou pas. Et je pense qu'il se serait aussi vraiment... attaché au côté innovation. Parce qu'il y a eu des innovations pour la trilogie originale, il y a eu des grosses innovations pour la prélogie, et là, je suis sûr qu'il aurait pensé à une nouvelle innovation pour cette nouvelle trilogie. Et je pense que ça aurait été le terrain de jeu qui se serait gardé pour lui. Donc voilà, je pense qu'il se serait vraiment gardé un rôle voilà, de producteur et voilà, juste de se faire plaisir sur cette trilogie. Donc, s'il voulait se faire plaisir, il ne fallait pas qu'il écrive, il ne fallait pas qu'il mette en scène forcément. Mais je pense que pour une question de communication, il aurait quand même réalisé l'épisode 7. Voilà. Mon autre question maintenant, ce serait et à qui il aurait vendu. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu vendre à une autre entreprise que Disney, et si oui, laquelle, Sylvain? Je pense qu'ils l'auraient vendu à la Fox, puisqu'ils avaient un partenariat de longue date, ce qui aura revenu, de toute façon, à le revendre au final à Disney, puisque Disney a racheté la Fox quelques années après. Parce que, de toute façon, vu la puissance économique de Lucasfilm, de Star Wars, c'est pas Sony qui va racheter Star Wars, c'est pas possible, c'est pas la MGM, c'est pas Feu Miramax, c'est pas une petite boîte c'est pas un petit studio qui est en capacité d'acheter Star Wars. Donc les studios en capacité d'acheter Star Wars, t'as Sony, Warner, Feu, la Fox et Disney. La Fox a été rachetée par Disney. Sony, c'est pas dans leur ADN. Il reste la Warner. Et vu ce qu'ils sont capables de faire comme grosse bourde sur déjà la licence DC Comics, moi, je suis content que ce soit pas eux qui aient obtenu... À qui George est vendu Star Wars. Donc au final, je vois que la Fox à cause du partenariat de longue date et Disney aussi pour la puissance, pour l'ADN, pour la puissance financière et aussi parce qu'ils avaient aussi un partenariat de longue date entre Star Wars, George et Disney. Donc, j'en vois pas d'autres, en fait. Okay. Eh ben, merci, Sylvain. Aude, dis-nous, toi, ce que t'en penses. Ben, je rejoins à 100% ce qu'a dit Sylvain. C'est qui d'autre? Qui d'autre Aude, à ce moment-là? Aude, ne donne pas d'importance à Sylvain, s'il te plaît. D'accord. Couché, papy. T'es à la niche. Bizarrement, je suis du même avis. Ah, j'ai moins de compétences cinématographiques, mais
à l'époque, qui est dans le game à ce moment-là, en 2012, c'est pas si vieux, c'est quand même, il y avait quand même la fin, non pas la fin, l'ouverture de la nouvelle trilogie de Peter Jackson avec le Hobbit, ouais. Eux ils pesaient dans le game à ce moment-là, c'est quand même la suite d'un truc qui a énormément marché. Qui à ce moment-là aurait pu avoir les épaules, pour pas dire un autre mot un peu plus vulgaire, les épaules de s'attaquer à un projet pareil pour faire toujours plus grand en concurrence avec cette franchise-là à ce moment-là du Hobbit, mais même avec ce qui se faisait à l'époque, on a quand même cinématographiquement des trucs qui vont crescendo au niveau des effets, au niveau des scénarios, il y a des super choses. Même si la vision de George était un petit peu plus indépendante des gros studios, que j'ai cru comprendre, il n'aimait pas trop, les gros studios commerciaux, je ne le voyais pas revendre ça à un petit studio, même en dehors de la dimension financière, mais au niveau des idées un petit peu indépendantes ou qui pourraient partir dans une toute autre direction que le blockbuster. C'est pas des choses qui étaient faisables en 2012 pour une franchise comme Star Wars. Ils avaient quand même 6 films derrière, avec plus ou moins de succès. Il y a un petit peu une image de marque à tenir, en dehors de même de la qualité du film en lui-même, de ce que ça doit balancer, en fait. Il faut que ça claque, il faut qu'il puisse y avoir une grosse promo, des gros effets spéciaux, des grosses promesses, en fait, à la fois pour une nouvelle génération et pour l'ancienne qui, comme nous, a connu les deux trilogies d'avant. Au niveau des épaules et forcément du portefeuille, moi je trouve le partenariat assez logique, d'autant que, comme tu as fini par le dire Sylvain, Disney et Lucas avaient déjà travaillé ensemble, notamment déjà depuis les attractions à Disneyland, le Star Tour et une autre aussi, j'ai oublié, Michael Jackson, Captain Neo, voilà, et ça date quand même de 1987, donc il y a déjà eu un rapprochement, il n'y a pas eu de dénigrement dans un sens ou dans l'autre. Après, les autres boîtes de production, j'avoue que je les connais assez mal, mais c'est kiff-kiff, comme disait Sylvain. Dans tous les cas, ça se serait refait manger par une autre grosse boîte de prod qui a les sous, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont leur enlever leur vision artistique. Ça, j'y crois pas, parce que comme on disait tout à l'heure, Lucas avait quand même placé Kennedy en tant que poulain pour diriger, donc il y avait la confiance qu'il avait placée en elle, les idées également. Comme Disney a gardé Kennedy, bah, j'ai envie de dire, on n'a pas à se plaindre finalement. Il y a quand même eu un transfert d'idées, un transfert d'héritage au sein de Disney. Après, ça fait gros sous, bah oui, mais c'est quand même eux qui payent les effets spéciaux, qui payent les acteurs, qui payent les grosses promos. C'est le jeu. Je trouve. Ouais. Alors Raphaël, toi, t'en penses quoi? Bah, j'en pense à le problème. Alors, le problème, c'est que je passe toujours après deux bons intervenants, donc j'ai du mal à relever les niveaux après. Mais pour revenir sur des choses concrètes, pense à l'époque qui aurait pu acheter plutôt, parce que George Lucas voulait vendre, mais qui avait la capacité financière de pouvoir acheter. À cette époque-là, à part Disney, il y avait Disney qui avait des sous, il y avait Apple qui avait des sous, il y avait dans l'Entertainment, tu veux dire, tous ces gens-là. Et je pense que le lien avec Disney était plus naturel. Voilà. Tout le monde s'est retrouvé, lui s'est retrouvé aussi, parce que nous sommes gros, c'est des grosses écoles américaines, donc nous, ça nous dépasse, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et je pense surtout que ça s'est passé au bon moment. Voilà. Parce que quand tu vois l'évolution des médias entre Netflix, entre Prime Video, toutes ces choses, les nouvelles mouvances qui arrivent, avec ce confinement qu'on vit depuis 2 ans, qui est difficulté à diffuser les images, les films et tout, si on aurait eu ce contexte-là il y a quand même 10 ans en arrière, je pense que les choses auraient été peut-être différentes. Là, je pense qu'ils ont fait le bon choix au bon moment. Ils ont acheté au bon moment, je pense. Ça sera toujours trop cher pour celui qui achète, jamais assez cher pour celui qui vend. Ça, c'est ce que je dis souvent dans les jouets. Mais en réalité, ils l'ont sauvegardé, quoi. Voilà. C'est que ça revit. Les parcs à thème ont donné un nouveau souffle à Star Wars. Il ne faut pas oublier que c'est ce qui a fait qu'on s'intéresse aussi à Star Wars. Qu'une nouvelle population s'intéresse aussi aux jouets et tous ces éléments-là. Donc ça aussi, c'est le côté positif. Après, les films, il y a pléthore de films. On a évoqué les films, aussi les séries. Il y a aussi les dessins animés. Il y a aussi tous ces éléments-là qu'on retrouve au catalogue de Disney en ce moment sur le support... Je fais ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire zapper. Disney Plus. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les jeunes, ça c'est zapper, d'accord? C'est vrai que Disney a eu le bon moment, quoi. C'est tout. Puis je pense que George Lucas voulait vendre qu'à eux. Puis il y avait en fait que qui avait la capacité à financer. Voilà. Tu parlais de Sony. Je pense que Sony ne sont pas dans cette culture-là, d'accord? Ils ont une culture quand même plus japonaise, plus nippone, qu'on va dire.
où ils font des films qui sont bien carrés, où c'est bien structuré, ils durent. T'as pas vu Venom, toi? Ouais. Mais je parlais d'avant. Et c'est vrai que quand tu disais les grandes boîtes de production d'époque qui ont fermé aussi, et d'après moi, c'est naturel, je crois, que la chasse s'est refait par Disney. Voilà. Et que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même encore la possibilité d'aller sur les réalisations, ils discutent encore avec les gens, ils participent encore à certains éléments. On ne dit pas tout sur le contrat qui a eu lieu avec George Lucas, mais il est quand même omniprésent dans les films, dans les montages. On le voit souvent en photo derrière, c'est qu'il y participe. Ah, même le... ouais. Je ne sais pas si tu as regardé les différents making-of sur les deux saisons de The Mandalorian. Oui. Il apparaît tout le temps. Ils font référence à lui tout le temps et il est là tout le temps sur les tournages. Ouais. Donc, je veux dire, pour eux, c'est un bon investissement. D'abord, ils n'ont pas fait ça à perte. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Voilà. Allez, ok, Sébastien. Merci, Raphaël. Je pense que s'il n'avait pas revendu à Disney, pas forcément revendu tout court, parce que comme vous le dites, je ne vais pas répéter, mais effectivement, il y avait des liens entre Disney et Lucasfilm depuis des décennies. Donc, pour moi, c'était la suite logique. Disney, je ne voyais pas d'autres studios. Par exemple, Warner, ils avaient déjà tous DC Comics, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, donc ils avaient déjà autre chose à penser que Star Wars, je pense. Peut-être la Fox, mais je pense que George Lucas aurait gardé l'entité Lucasfilm. Il aurait tout produit en interne parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui est, même s'il a vendu à Disney au final, mais s'il n'avait pas vendu à Disney, c'est quelqu'un qui est attaché à sa boîte. Et je pense qu'il aurait voulu que sa boîte continue à tourner de manière indépendante. Et il aurait continué avec Fox en distributeur, mais voilà. Et je pense que voilà, il aurait vraiment laissé Kathleen Kennedy gérer tout ce qu'il faisait chier, quoi. Et voilà, lui, ce serait juste son dernier kiff avant de partir pour la retraite définitivement. Voilà pour les films. Et parce que le temps tourne, je vais vous poser une dernière question concernant les films, donc je vous demanderai d'être assez bref. La trilogie de George Lucas avait vu le jour sans Disney, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on aurait eu le même problème au niveau des fans un peu haters, c'est-à-dire, alors, ou ceux qui n'aiment vraiment pas, c'est-à-dire est-ce que on aurait eu le droit à c'est génial, c'est George Lucas qui revient et tout, ou on aurait eu le droit George Lucas il a déjà détruit Star Wars avec la prélogie, alors il va encore plus le détruire avec sa nouvelle trilogie. Voilà, je vous demande d'être assez bref, donc Sylvain. Oui. Merci, c'est très bref. Oui, on aurait les mêmes blaireaux, ça aurait été les mêmes blaireaux au même âge, donc on aurait eu les mêmes blaireaux, les mêmes commentaires. Odd. Bah oui, absolument. De toute façon, ceux qui font le plus de bruit ne sont pas ceux qui ont la meilleure opinion, surtout une opinion modérée. Donc ils auraient trouvé quelque chose sur quoi cracher. Ça aurait été sur au lieu d'être sur un acteur noir ou une actrice asiatique, ça aurait été sur autre chose, sur le tour de taille de l'actrice ou la tronche de l'acteur. Il y aura toujours un truc pour râler. Ouais. Et puis je comprends la suite là. Excuse-moi Sébastien, mais Internet a donné la possibilité à des gens aigris de pouvoir s'exprimer. On retient qu'eux, il n'y aurait pas eu un autre support qu'Internet avec plus de contrôle, on serait parmi cette situation là. Aujourd'hui, c'est tous ceux qui vont sur Internet pour critiquer, quoi. Mais bon, comme dit, pour moi, c'est des invisibles, quoi. Pour moi, je les considère comme ça, quoi. Voilà. Vous savez que je connaissais pas le terme haters avant, vous souvenez-vous quand même. Donc maintenant, j'ai fait des progrès. Alors, je vais pas dire haters parce que il y a des gens qui n'aiment pas mais qui sont pas forcément des haters. Je vais dire le hater, c'est la personne qui dit va dire volontairement avant même de voir le film, va dire j'irai pas le voir parce que c'est Disney. Alors voilà, ça c'est un haters. Voilà. Et qui a pas d'argument. Voilà. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas les films pour des raisons XY qui ont des arguments. On va pas les appeler des haters parce que je suis sûr qu'ils sont dans le chat et qu'ils vont dire eh moi j'aime pas le film mais je suis pas forcément haters. Oui. Ouais, mais je les prends tous à un bras et puis c'est... Voilà. Me concernant, je suis d'accord avec vous. Hein, de toute façon, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est impossible de contenter tout le monde et encore plus les fans de Star Wars. Ouais. Et ceux qui aujourd'hui disent Disney a tué Star Wars sont les mêmes qui auraient dit George Lucas a tué Star Wars à trop tirer sur la corde avec une troisième trilogie. Donc voilà. Je pense qu'hélas, les choses n'auraient pas changé. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire que Disney a tué Star Wars, parce que si le rachat n'avait pas été fait, vous auriez dit que George Lucas a tué Star Wars. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, mais je vois qu'on est un peu unanime sur les questions. Voilà, on a fait le tour sur ce qu'auraient pu être les films sans Disney.
Maintenant, on va voir ce qu'auraient été les séries télé sans Disney. À savoir qu'avant le rachat, il y avait Star Wars Detours qui était prêt à être diffusé l'année d'après. Il y avait déjà deux saisons de prêtes, carrément. D'ailleurs, on n'avait aucune info sur le mode de diffusion de Star Wars Detours, hein, ni de la chaîne, ni rien. C'était, voilà, on nous avait juste présenté le projet. Et il y avait Clone Wars qui continuait son bout de chemin. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que, au niveau des séries télé, on aurait eu Clone Wars qui n'aurait pas été annulé comme elle l'a été à l'époque? Est-ce qu'on aurait eu des nouvelles séries animées? Est-ce que Star Wars Detours aurait été bien reçu? Et surtout, est-ce que la fameuse série Star Wars Underworld, qui était censée être la première série live, aurait vu finalement le jour ou pas? Voilà. Sylvain? Est-ce que Clone Wars aurait été annulé? À mon avis, non. Ils auraient bouclé tous les arcs scénaristiques d'une seule traite. La diffusion de Star Wars Detours, moi je la verrais sur un network américain, c'est typique, ou en parallèle d'un truc sur le net, parce qu'a priori, si je me rappelle bien, c'est des courts épisodes, des trucs à... 10 minutes environ, je crois. C'est ouais, voilà, donc c'est typiquement le truc que tu peux envoyer sur le site de StarWars.com, et tu sais que tous les jours... tu vas avoir tes vues, et puis c'est un truc, justement, pour un network américain, ou pour une chaîne comme on a, nous, en France, qui envoie 3, 4 ou 5 épisodes à la suite. Après, pour Underworld, franchement, je sais pas, j'aurais été ravi de l'avoir, mais j'ai trop souvent, en tout cas, bien avant les séries Marvel et Disney, ou les séries liées à des sociétés de streaming comme Netflix, Amazon et maintenant Disney+. Star Wars Underworld, avec les codes de la télé à l'ancienne, pour moi, ça ne marchait pas. De ce que je comprenais d'Underworld, c'est qu'on n'aurait pas forcément un fil rouge, on serait avec des persos qu'on connaît pas, qui sont... Dans les bas-fonds de la criminalité et autres. Donc franchement, je sais pas. Je vois pas cette... Si c'était bien ça, le truc, je vois pas ça sur une chaîne de télé, encore plus US. Maintenant, avec Disney+, oui, là, je vois ça. Un truc un peu déconstruit, où tu passes d'un épisode à l'autre sur différents lieux, différents personnages. Pour moi, là, maintenant, pour Disney+, ce serait bien. Mais à l'époque, non, ça voulait aussi être tellement grandiose, tellement renouvelé le truc, mais que je me dis, il n'y a aucune chaîne de télé au monde qui aurait voulu la diffuser ou la produire. Parce qu'ils allaient dans le mur, ils auraient dépensé trop pour gagner trop peu. Voilà. Ok, merci Sylvain. Aude, c'est quoi ton avis sur la question? Alors moi, niveau série animée, je ne les ai pas... J'ai vu The Clone Wars et Rebels, mais je ne les ai pas vus sur les chaînes où c'était diffusé à l'époque en mode classique. Je ne les ai vus qu'il y a à peu près 2 ans, donc j'ai acheté les DVD. Et puis j'ai fini la saison 7 avec The Clone Wars sur Disney+. Donc je peux pas vraiment apporter d'avis sur ce qui se faisait ou ce qui aurait pu se faire à ce moment-là en 2012, 2014, 2015. Pareil, sans Disney+, ou sans les plateformes comme on a maintenant, comme disait Sylvain. Maintenant, il y a tellement cette manière de consommer via les plateformes et plus sur les chaînes de télé. J'en parlais encore tout à l'heure avec mon mari. Nous, ça ne nous arrive jamais de nous poser devant la télé et d'essayer de regarder quelque chose. On arrive toujours en cours de route. Et le contenu des chaînes classiques, désolé, mais c'est vraiment pas pour nous. Cette manière de faire, d'aller soit sur YouTube, soit sur Netflix, soit sur Disney+, soit sur Amazon Prime, on l'a tellement dans la peau maintenant que je ne sais même pas comment on aurait pu faire avant, il y a quelques années en arrière, sur une télé normale. Après, comme tu disais juste sur la fin, Sylvain, une série comme Underworld, moi, j'en avais pas entendu parler, mais finalement, j'ai l'impression que je peux regrouper un petit peu ça avec The Mandalorian, dans le thème, dans le style. À l'époque, si ça avait été diffusé, en effet, sur les chaînes normales, ça aurait
trop paru être un truc de geek ou juste de fan. Et en effet, l'investissement, à mon avis, aurait été trop risqué juste pour nous satisfaire, nous, les fans. Et encore fallait-il qu'on le regarde au bon moment, qu'on ait l'abonnement, qu'on ait la chaîne. Alors que maintenant, ça fonctionne différemment. Et The Mandalorian, finalement, c'était un pari pour eux, mais ils l'ont gagné puisqu'ils ont recruté des nouveaux fans qui ne connaissaient même pas l'univers Star Wars habituel. Donc j'ai difficilement un avis à donner parce que je ne connais pas vraiment les rouages des séries télé, comment elles pouvaient être diffusées avant. Là, je suis vraiment dans la génération Netflix à fond et j'ai l'impression d'avoir connu que cette manière de diffuser une série et de la suivre, de pouvoir la suivre. Après, niveau budget, je ne sais pas s'ils n'ont pas aussi maintenant des budgets bien plus élevés pour les séries. On se retrouve avec des budgets qui dépassent même ceux des films, la manière dont elles sont diffusées maintenant. Avant, et si on avait un truc un peu trop cheap, bah là, forcément, ça aurait fait tâche, quoi. Ouais. Alors, Raphaël, après ton et ton ouais, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? En fait, ce qui me surprend, et en fait, je rejoins ce que vous dites, hein, c'est la façon dont vous, c'est pas péjoratif, vous consommez la télé, comme je vois comme mon fils consomme la télé, alors que moi, les séries télé, je les ai vues à la télé. Alors, je prends l'extrême le plus vieux, le Dallas, pour rigoler, parce qu'on consommait à 22h30 sur une chaîne à l'école, on avait l'habitude de regarder ça très tard, donc les séries télé avaient une autre mode de diffusion et une autre approche. D'accord, mais je le consomme tout à fait que maintenant on consomme ça sur différents supports qui ont rien à voir avec ce que je faisais avant. Moi, je regardais la télé, j'étais devant la télé, quoi. J'ai regardé énormément de séries télé quand j'étais jeune, bah, sur le support classique des chaînes télé. Donc, c'était des ovnis, quoi, à cette époque-là. Donc, il fallait avoir la bonne chaîne. Donc, il y avait la chaîne France, la 5 et compagnie, qui faisait ce genre de séries. Et après, on avait des chaînes plus thématiques. Ça veut dire, quoi, je me souviens des chaînes comme Comédie Centrale, qui a fait South Park à l'époque. Donc, ça remonte à 2000, par exemple, dans les années 2000, où là, on avait des chaînes qui avaient une forte connotation déjà. On savait que c'était un peu plus trash, on savait ce qu'on allait trouver, toutes ces choses-là dans le contenu. Et puis là, maintenant, avec les nouveaux modes de consommation, je pense que les séries ont un nouveau format, mais tout est un nouveau format. C'est-à-dire que la durée est différente, l'approche est complètement différente. Il n'y a pas réellement de continuité, à part des fois certains éléments, mais d'habitude, c'est un épisode, c'est un one-shot. D'accord ? Pour nous, à mon époque, moi, un épisode, c'était un one-shot. Tu avais une petite trame de ligne qui suivait. Autrement, c'était un mini-film, voilà. C'était ça à l'époque. Et puis là, c'est vrai qu'avec la révolution de tous les supports dématérialisés, après que les gens sont de plus en plus à aimer les séries, parce que je pense que les programmes télé classiques les ont fatigués, quoi. Revoir à Noël tout le temps Sissi l'impératrice, revoir la 7e compagnie, quoi, c'est bon, on a tous vu ça. Là, on est en 2020 et j'ai encore vu la 7e compagnie, et puis ce soir, c'est La Vache et le prisonnier avec Fernandel. Donc vous imaginez quand même la culture de la télé, hein, mais c'est vrai. Et après, on peut comprendre pourquoi on va vers les autres supports numériques. Voilà, ça me surprend pas. Et je pense que les séries, et je pense que Lucas a intérêt, lui, à continuer, à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire des choses qui sont décousues, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien entre le Mandalorian, avec Star Wars Détour, et toutes ces choses-là, pour avoir un maximum de personnes aussi, et pour répondre aux attentes de tous les consommateurs, quoi, c'est tout. Je pense qu'on n'ira pas plus loin. Mais votre façon de consommer la télé me surprendra toujours, parce que je ne l'ai pas connue, en fait. Et je me rends compte que, bah, en fait, moi aussi, je regarde ma télé sur mon iPad, quoi, alors que la télé est allumée. Donc, voilà, le problème, quoi. Mais Dallas, c'était quand même bien. Surtout quand JR, il s'est fait tirer dessus. Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Voilà. Et ben, me concernant, déjà, je pense que The Clone Wars, et ben, je pense que ça aurait continué tant que ça marchait. Et que ça aurait tiré en longueur jusqu'à ce que ça meure à petit feu et qu'on perde toute cohérence, quelque chose comme ça, voilà. Je suis pas un très grand fan de Clone Wars, même si les derniers épisodes ont quand même rattrapé le coup à Ahsoka, je m'en fous complètement, voilà. Ça m'énerve. Enfin, elle m'énerve, je m'en fiche. Mais ça vous dit, je le mute ou pas? Non. non, je trouve que ça aurait tiré en longueur et que ce serait, voilà, mort à petit feu jusqu'à ce que les audiences soient plus satisfaisantes pour continuer. Concernant Détours, ben, comme je crois que c'est Raphaël qu'on a parlé, c'est Comédie Centrale qui diffuse South Park, je pense que c'est totalement la chaîne qui aurait été la cible. Avec pourquoi pas des replays sur la chaîne YouTube du site officiel, quelque chose comme ça. Et concernant Star Wars Underworld, je pense qu'en fait, George Lucas, il était vraiment visionnaire au niveau de la technologie. Et quand ce qui a bloqué, en fait, c'était le budget, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait pas mettre autant d'argent dans des épisodes. Sauf qu'après, ben voilà, ça s'est démocratisé. On a eu des Game of Thrones, par exemple, où on a vu que visuellement, ça pouvait claquer comme un film, toujours avec la série, quoi. Le format série. Donc, je pense que Game of Thrones aurait peut-être permis à George Lucas de diffuser une série à la hauteur de Star Wars visuellement.
Et je pense que ça n'aurait pas été diffusé sur une chaîne de télé. Je pense que ça aurait été diffusé sur Netflix. Parce que Netflix, quand même, ils sont arrivés il y a pas mal de temps avant les autres, avant que ça explose et tout. Donc je pense que George Lucas, il se serait dit, je vais pas le vendre à une télé qui va m'embêter avec une question de format, d'horaire, de budget et tout. Je vais aller chez Netflix, ils ont de l'argent. Et puis je serai beaucoup plus libre au niveau de ce que je vais raconter chez eux. Donc voilà, je pense qu'il y aurait pas eu le rachat de Disney, on aurait, je sais pas, Star Wars Underworld sur Netflix, c'est la saison 5 maintenant, donc on parle. Voilà, ça m'aurait vraiment pas étonné. Et je pense qu'ils auraient continué tout le temps d'avoir une série animée, donc si Clone Wars ça se serait arrêté, ils auraient essayé d'en faire une autre, donc quelque chose de parallèle à Rebels, parce que Rebels n'aurait jamais vu le jour dans ce cas-là. Voilà, mais de ce que j'ai vu aussi de Star Wars Underworld, parce qu'il y avait il y a des tests caméra ou vidéo qui ont fuité sur internet, ça, même si c'est le rendu visuel n'est pas ce que ça aurait rendu en vrai, de ce que j'ai vu, ça m'a pas trop. Vous voyez des Stormtroopers sur Coruscant, mais ça faisait quand même un peu cheap, mais ça faisait vraiment cheap. Donc, même si c'était pas destiné à être le produit final. Ouais, je suis content qu'on ait Mandalorian aujourd'hui. Voilà. On a parlé des films, on a parlé des séries. Et maintenant, on va parler de l'univers étendu. Alors, je ne sais pas si tout le monde lit ou pas l'univers étendu ici. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que si George Lucas n'avait pas revendu son œuvre à Disney, l'univers étendu serait resté canon et que toutes les œuvres que George Lucas aurait sorties derrière, à savoir sa nouvelle trilogie et des potentielles séries télé, séries animées, des choses comme ça, auraient respecté le canon qui est maintenant le Legend. Voilà, si vous m'avez compris. Sylvain. Alors, question un peu difficile. Bizarre parce que j'ai jamais eu l'impression que George Lucas s'intéresse vraiment à l'univers étendu. Pour lui, la priorité c'était ses films, ses créations. Après les films, c'était les séries, la série animée. Et derrière, loin derrière, on avait l'univers étendu avec les comics, les romans. Et autre chose. Donc, pour moi, la question se pose pas réellement parce qu'il aurait fait ce qu'il voulait sans prêter attention à ce qui avait déjà été écrit. Ça, on le voyait, on l'a vu avec, typiquement avec la série The Clone Wars et avec les romans. De Karen Trevis sur les clones, vous savez, les République Commando, Ordre 66 et autres joyeusetés, qui met l'accent à la fois sur les clones et sur les Mandaloriens. Et on voit que quand Lucasfilm, George Lucas et Filoni s'occupent de présenter, de mettre en avant les clones et les Mandaloriens dans la série The Clone Wars, ils envoient balader d'un revers de la main 99,99999% de ce qu'a fait Karen Trevis. Donc pour moi, il aurait laissé les auteurs faire leur truc dans leur coin, mais il s'en serait pas du tout occupé. Il aurait pas dit comme ce qu'a fait Disney, on met ça dans une armoire, on met un joli logo Legend, on dit merci, on va faire notre truc. Ils s'en seraient pas plus préoccupés, ils s'en seraient pas plus occupés aujourd'hui qu'hier, quoi. Eh bien, merci Sylvain. Aude, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors moi, je n'ai pas lu du tout d'œuvre de l'univers Legend. C'est pas grave. Je ne les connais que par leur réputation ou par des reviews dans des podcasts ou dans des vidéos sur YouTube. De ce que j'en ai compris, ça part quand même bien, bien dans tous les sens. Il y a du bon et du moins bon, comme partout, mais il y a quand même des choses assez tirées par les cheveux ou assez, suivant les auteurs qui les ont écrites, assez drôles ou assez légères ou carrément intenses ou qui se passent sur des années, voire des générations. Donc comme ça part vraiment dans tous les sens,
Je pense aussi que Lucas ne se serait pas forcément encombré d'essayer d'avoir une cohérence, ce qu'il n'a pas toujours eu d'ailleurs et qu'on lui reproche encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas possible en fait. Ça a été créé, il a donné les droits à des auteurs pour faire vivre son univers, notamment après sa trilogie originale, mais je ne pense pas qu'il veuille avoir ça comme une épine dans le pied sur lequel il doit se reposer et forcément faire tout rentrer dans les bonnes cases. Ça paraît impossible. Et puis ça paraît pas Georges, comme disait Sylvain, à mon avis il serait pas embêté avec ça. Après, pourquoi pas reprendre quelques idées à droite à gauche, qui nous maintenant qu'on considère un peu comme du fanservice, mais parce que finalement c'est son univers, il lui appartient, et on peut imaginer tout et n'importe quoi, donc après regrouper un Mandalorien sur telle planète ou autre chose dans une série ou dans une autre œuvre, tout est possible finalement. Mais sans soucier vraiment, non, je pense pas. Je pense qu'il se serait dit, écoutez, ne m'emmerdez pas avec ça, pourquoi vous voulez absolument classifier La cohérence, elle est assez subjective, hein, de toute façon, dans son univers. Donc, sincèrement, je ne pense pas que ça n'aurait pas été forcément possible. Et puis, on ne peut pas satisfaire tout le monde, encore une fois. Ok, eh ben, merci Aude. Raphaël, tu as l'air perplexe, du coup, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah, j'y connais rien, univers étendu. Bon, possible. Merci Raphaël. Voilà. Non, mais vraiment, t'avais autre chose à dire ou pas? Ah non, absolument pas, là. Pour moi, okay. C'est charabia. Hein. D'accord. Bon, bah, merci Raphaël, alors. Dommage pour Sylvain, parce que Sylvain, il sait qu'il m'a souvent sollicité pour que je prenne... On m'a souvent sollicité pour que je prenne ça. Mais je suis pas... Non. Hein, mais c'est sûr, un compte, papy, je t'ai jamais sollicité. Je t'ai sollicité pour plein de trucs, mais jamais pour... Le temps continue de tourner et on n'a pas 3 heures devant nous, je suis désolé. Voilà, normalement, dans Stars en direct, on prend plus le temps de parler, mais voilà, il faut respecter le planning de la convention en ligne, donc on va continuer. Je pense, comme le dit Sylvain, que Georges Lucas, en fait, il n'en a jamais rien à faire de l'univers étendu. Lui, c'était juste une autorisation pour des auteurs de d'utiliser sa licence, mais il n'a jamais consulté ce qui a été déjà écrit pour développer ses propres idées, quoi. La seule chose qu'il a fait, c'est dire, ah bah tiens, la Twi'lek bleue là dans la comics, elle est sympa, là, vas-y, le design j'aime bien, mets-la-moi dans mon film là. Donc on a eu Alain Seguard dans le film, voilà, ça se limite à ça. Ou même à l'inverse, le Jedi là avec l'autre très jaune. Inland Boss. Ouais, voilà, alors, qui apparaît un quart de millimètre, c'est un figurant Ça se limite à ça, et on l'a bien vu quand même, George Lucas, il va aussi, s'il a une meilleure idée d'un truc qu'il a déjà fait, il va pas hésiter. Par exemple, on a eu la série Clone Wars de Tartakovsky en 2D qui était génialissime, qui respectait déjà pas trop les comics, et après, il a lui-même, décanonisé la série qu'il avait chapeautée pour faire The Clone Wars derrière. Donc lui-même, il commençait à mettre Legend des choses que lui-même avait créées, conçues, quoi. Donc c'était assez rigolo. Donc c'est pour ça tous les gens qui s'offusent que Lucasfilm et Disney ont détruit l'univers étendu, on l'a mis Legend, c'est n'importe quoi parce que en fait George Lucas ne respectait entre guillemets déjà pas du tout l'univers étendu. Et je pense aussi que casser l'univers étendu, entre guillemets, le tout mettre Legend, c'était la meilleure chose à faire, et que ce soit à Disney ou pas, parce que je suis désolé, Star Wars, c'est quelque chose qui est pour le grand public avant tout. L'univers étendu, c'est vraiment un marché de niche parce que voilà, Raphaël en est la preuve. Hein. Tous les fans de Star Wars ne sont même pas au courant de ce qu'il y a dans l'univers étendu. Donc, l'univers étendu, j'ai pas envie d'offenser les gens qui sont à fond dedans, mais gardez en tête que il y a le grand public, il y a les fans, et dans les fans, il y a encore les fans qui lisent l'univers étendu. Donc, c'est la niche, la cerise sur le gâteau. C'est la niche de la niche, vraiment. Ouais. Voilà, c'est la niche de la niche, l'univers étendu. En roman et en comics, j'entends. Donc je pense que si George Lucas avait dû écrire des nouveaux films et une nouvelle série télé, il en a eu rien à faire. Mais je pense que Kathleen Kennedy, un bon dirigeant de Calais, lui aurait dit, alors c'est mignon, hein, ok, il n'y a pas de problème, mais on va peut-être mettre les choses au point aux fans, donc du coup on va leur dire que l'univers est tendu. Alors ils n'auraient peut-être pas fait Legend, ils auraient dit c'est un univers parallèle qui aurait peut-être même pu continuer à se développer, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Après, on n'en saura jamais rien parce que ça n'arrivera pas. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est sûr que l'univers étendu, pour moi, n'aurait pas été respecté. Voilà. Du coup, je vous propose d'utiliser nos 5 dernières minutes pour conclure. Et je vais tous vous demander si vous pensez que si Disney n'avait pas racheté Lucasfilm en 2012,
à quoi ressemblerait Star Wars aujourd'hui en 2021. Voilà. Sylvain, c'est à toi. Question difficile. Bon, je pense qu'on aurait quand même... à mon avis, on n'aurait pas eu... pas forcément eu de nouvelles trilogies. Par contre, on aurait eu... on aurait une nouvelle trilogie parce que George Lucas l'avait écrite. Ouais, est-ce qu'il l'aurait produite, je suis pas sûr. Elle serait sortie sur les écrans en 2021, je saurais pas te le dire, à mon avis, non. Mais on aurait eu plus de Star Wars sur télé, sur petit écran, pour boucher les trous, quoi. Mais je crois pas. En tout cas, je pense que le fandom se serait moins mis sur la gueule. Mais légèrement moins. Hein. Il y aurait moins de discussions. Il y aurait moins de gens qui se prendraient le chou sur des détails totalement insignifiants. Mais sur des Star Wars sortis au cinéma, je suis pas du tout convaincu. Je crois qu'il aurait mis l'accent d'abord sur la télé. Ou sur le streaming. Okay. Merci Sylvain. Od, à toi de conclure. On aurait eu quelque chose qui se rapproche du Marvel ou du Transformers, tu vois, des trucs à gros spectacle pour bien faire se réunir les gens, pour les mettre d'accord sur du « on en a plein les yeux », mais par contre ça restera anecdotique. Alors tous les films du Marvel Universe ne sont pas comme ça, hein, j'ai pas dit ça, j'aime bien en plus, mais il y en a quand même des plus anecdotiques que d'autres, et à part de la poudre aux yeux, je pense qu'ils auraient moins pris de risques, finalement. Ok. Merci Aude. Raphaël, toi ? Oui, oui pareil, quoi. Je pense la même chose que vous, donc ça me fait peur aussi. Honnêtement, on a ce qu'on a, puis voilà, quoi. Puis il faut s'en contenter du bien ou du mal, mais faisons plaisir avec ça. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Moi, je crois qu'il aurait tout arrêté. En fait, la difficulté que j'ai avec Star Wars, en fait, c'est très simple, c'est que entre aujourd'hui, de mon époque, et après, il y a eu entre nous un ovni qui est arrivé, qui s'appelle le Seigneur des Anneaux. Je sais que je vais faire un petit aparté, mais qui a complètement changé aussi la vision de ce que pouvait être un film dans ces trucs-là. Et je pense que Lucas n'aurait pas eu les moyens. On ne leur a pas laissé les moyens de pouvoir faire aussi bien dans nos années actuelles, quoi. Voilà. Et je pense que Disney a repris tout ça, que tout se passe bien. Moi, je suis content. Ça vit toujours. Voilà. Merci Raphaël. Ouais. Moi, je ne vais pas forcément être d'accord avec tout le monde. Moi, je pense qu'à quelques détails près, on en serait au même stade. Je pense qu'on aurait une nouvelle trilogie. Produite par George Lucas, dont il aurait réalisé le premier épisode, donc le septième épisode de la saga Skywalker. Il avait déjà eu l'accord de Mark Hamill, Carrie Fisher et après Harrison Ford pour revenir dans les films. Donc en fait, on aurait une nouvelle trilogie avec l'ancien casting qui allait aussi passer le relais une nouvelle fois au nouveau. Je pense que Harrison Ford aurait aussi demandé à mourir dans l'épisode 7. George Lucas avait déjà prévu de tuer Luke dans l'épisode 8. Je pense que Leia s'en serait sortie, par contre. Peut-être qu'aussi dans cet univers parallèle, Carrie Fisher ne serait pas décédée. Et je pense, par contre, c'est que... Alors moi, j'adore la postologie, mais avec ses défauts et ses qualités. Mais je pense que du côté... Si George Lucas l'avait réalisé et produit lui-même... on aurait eu un arc scénaristique entre guillemets plus cohérent. On n'aurait pas eu une guerre de réalisateurs comme on a un peu entre l'épisode 8 et l'épisode 9 notamment, quoi, même l'épisode 8. Hein, voilà. La grosse erreur de Disney, c'est de ne pas avoir écrit d'arc principal et d'avoir laissé trop de cartes blanches à ses réalisateurs. Là, George Lucas, il aurait quand même gardé un peu le contrôle de l'histoire. Contrairement à Sylvain, moi je suis plus pessimiste, je pense qu'on aurait eu autant de gens qui gueuleraient. Parce qu'on aurait eu encore tout le monde qui aurait dit « Ah oui, mais c'est pas mon Star Wars. George Lucas, il fait vraiment n'importe quoi. Faut qu'il prenne sa retraite. Faut qu'il revende à Disney. Ce sera mieux. » Enfin voilà, je suis sûr qu'on aurait eu des choses comme ça. Et je pense qu'on aurait eu au final des séries télé aussi, mais que tout serait arrivé un peu plus lentement. Je pense que George Lucas, il aurait peut-être gardé son rythme d'un film tous les 3 ans, au lieu d'un film de tous les 2 ans pour la saga Skywalker. Et je pense pas qu'il aurait essayé de faire des spin-offs entre les épisodes. Je pense qu'il aurait fait sa nouvelle trilogie et qu'après, il aurait donné le feu vert pour faire des spin-offs. Et que ça aurait été dans cet ordre-là. Je pense qu'il aurait fini, comme je l'avais dit tout à l'heure, par produire une série sur Netflix.
live, j'entends, et qu'il aurait continué à faire des séries animées tant que ça marche pour les enfants. Donc au final, on aurait à l'heure actuelle à peu près la même chose qu'aujourd'hui, mais ce serait sorti de manière un peu plus épisodique, ce qui n'aurait pas forcément été plus mal pour créer, pour garder ce côté événementiel quand Star Wars sort. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission de Génération Star Wars et Science Fiction, de Star Wars en direct pour Génération et Star Wars et Science Fiction chez vous. J'espère du fond du cœur qu'on va pouvoir remettre épisode 2. Voilà, épisode 2. J'espère qu'on pourra remettre ça très rapidement au mois de septembre, en présentiel, tous les quatre ensemble. Ce serait vraiment sympa. Voilà, il me reste juste à remercier nos partenaires, à remercier Dany qui nous a créé un super habillage pour cette émission. Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à regarder nos 678 anciennes émissions sur le site www.starwars.direct, et on a une chaîne YouTube aussi où vous pouvez récupérer tout ça. Voilà. Dernière petite précision, vous en êtes douté sûrement, cette émission elle est préenregistrée, donc en fait on n'a pas pu dialoguer avec vous directement dans le chat. Vous ne voulez pas vous voir en direct. On est quand même sur le chat en train d'écouter l'émission qu'on a déjà enregistrée et à dialoguer avec vous via le chat, mais voilà. Il me reste juste à rendre l'antenne. Salut Raphaël, oui, on adore QC, on veut y revenir très très vite. Et voilà, on vous embrasse tous, que la force soit avec vous. Salut. Bon bisous à tout le monde. Bisous. Effets spéciaux. Ouais, bon, on va tribloc.